Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va changer le filtre à huile et l'huile. Alors cela fait longtemps que je n'ai pas changé l'huile, il est temps de le faire. Je vais attendre ma voiture ici. Alors supposons qu'il y a sûrement une autre pièce quelque part, enfin, ou que les gens attendent. Parce que personnellement moi je vois aucun truc, hein. Je vois aucune porte où on peut accéder à quelque chose. Donc voilà, pourquoi faire ça, puis ça. Donc le filtre à huile et l'huile. Alors, faut que j'ouvre son capot. Hop. Alors, si je me trompe pas, c'est ici, ouais. Alors, on va changer le filtre déjà. Filtre à huile. Hop. Voilà. Voilà, ah ouais, si je me souviens bien, c'est pas ici qu'on met l'huile, c'est sur ce bouchon, ouais. Ah ouais, mais faudrait pas vider l'huile. Ah, ça s'est rempli. L'huile neuve est de couleur or et l'huile usagée est de couleur noire. Normalement, si je me souviens bien, pour vider l'huile, on la vide par le dessous. Il n'y a pas quelque chose pour réceptionner l'huile par hasard? Non? Non, je pense pas. Là, il y a quelque chose. Voilà. On a mis plein d'huile partout. Voilà. On va arrêter ici et on va les regarder. Ouais, nickel! Bon, alors, comment dites-nous? Ouais, cool! Voilà, monsieur, votre île, ok. Je savais pas qu'il y avait une île dans le pot des. Dans le pot de. Bon, on arrête de parler parce que là, je vais vous faire rire par du mot. Donc, je vous retrouve pour une prochaine facture. Je m'emballe dans mes mots. C'est dingue. Enfin, bref. On va dire fin à cette petite facture. Donc, je vous retrouve pour une prochaine facture dans un nouvel épisode. J'espère que vous l'avez adoré, que je vous ai aidé à progresser aussi dans votre progression, bien sûr. Progression, c'est normal. Donc, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye!